بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، اليوم الجزء الثاني من مراجعة لغة فرنسية سنة خمسة ابتدائي، la révision de grammaire. Premièrement, les types de phrases. أنواع الجمل. La phrase déclarative, اللي هي الجملة الإخبارية. C'est une phrase qui nous donne des informations et se termine par un point. Exemple: aujourd'hui, il fait beau temps. اليوم الجو لطيف. Le train démarre à 10 heures. القطار يقلع الساعة العاشرة. هذه جملة إخبارية تعطينا أخبار معينة. تنتهي بنقطة. Deuxièmement, la phrase interrogative. اللي هي الجملة الاستفهامية. اللي فيها علامة استفهام. اللي هي السؤال. On l'utilise pour poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple: où habites-tu? Aïna teskoun? Quel est ton nom? Ma huwa smuk? As-tu ton livre? Hal ladayka kitabuk? Jumla thalitha, la phrase exclamative. Jumla ta'ajjubiyya tantahib alama ta'ajjub. On l'utilise pour exprimer un vœu, un souhait, une surprise. Elle se termine par un point d'exclamation. Exemple: quelle belle nouvelle! Yalaha min mufaja'a sarra. Que Dieu te garde. Allah yahfadak. Le groupe nominal sujet. Li huwa al-fa'il. Al-fa'il ya'ti bi suwar mukhtalifa. Dhamir, ism majmou'a min al-kalimat ila akhir. Premièrement, on a les pronoms personnels sujet. Je, tu, il, elle ou bien on. Nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. B, un nom ou un groupe de mots. Exemple: Amine, Nadia et Ali, les élèves, l'animal sauvage, l'équipe de football, etc. Hadou kamel yqadrou djou sujet. Yji men ba'd le groupe nominal, le groupe verbal, li huwa al-fi'l. بالفرنسية نبدو بالفاعل ثم الفعل. Le verbe conjugué au temps déjà vu. يعني الفعل يكون مصرف في الأزمنة اللي مروا علينا اللي هما le présent, le passé simple, imparfait, le futur simple et le passé composé. هادو راح نشوفوهم في الدرس تاع conjugaison. Troisièmement, عندنا verbe plus COD, يعني فعل زائد مفعول به, ولا verbe زائد COI, فعل زائد مفعول به غير مباشر أو جار مجرور. Exemple: il mange un fruit. Ya'kulu fakiha. Le maître parle à l'élève. Al-mu'allim yatahaddathu ila at-tilmidh. Aw yatakallamu ma'a at-tilmidh. Le groupe nominal plus le groupe verbal zid murah le groupe prépositionnel. Li huma les compléments circonstanciels. Premièrement, le complément circonstanciel de lieu li huwa dharf al-makan. La question c'est où? Je vais à l'école. Je vais où? Je vais à l'école. C'est un complément circonstanciel de lieu. Deuxièmement, le complément circonstanciel de te, c'est exemple: chaque matin, maman prépare le petit déjeuner. يعني ظرف الزمان كل صباح أمي تحضر فطور الصباح كل صباح متى يعني quand. Complément circonstanciel de manière, CCM, et où الحال. Alors, le souhait, c'est comment? Kaifa? Grand-père marche lentement. Kaifa yemchi l'aljad bibota. Iden, hna, hada, c'est un complément circonstanciel de manière. Mbada, anna, les déterminants. Huma kalimat yjou qabl l'ism, sawa ankana fa'ilan ou mf'oul bi l'akhiré. Alors, ce sont des mots qui se placent devant le nom. Anna, premièrement, les articles. Les articles définis, les articles indéfinis. Li huma, un pour le masculin singulier, une féminin singulier, et l'apostrophe lorsque le nom commence par une voyelle ou bien par un H muet, la féminin singulier, le masculin singulier, les c'est le pluriel de le et la et l'apostrophe, des c'est le pluriel de un et une. Il y a les adjectifs possessifs, les mots al-milkiya. Masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre. Féminin singulier, ma tasse à l'heure, lorsque la chose est commune entre les gens. Et le pluriel, jama', les huwa, mtc, nouveau, leur au pluriel. Les adjectifs démonstratifs, les huma asma al-ishara. Hadou kem rahin tarkoulim fidorus mkhassasa al-kul unwen. Ce, ijimura, un nom masculin. Cette, un nom qui commence par une voyelle ou bien par un H muet, singulier bien sûr.
un nom féminin, sept, un nom féminin, et c'est le pluriel de tout cela. Il y a aussi l'adjectif qualificatif, il y a sefa ou nat. Épithète, l'adjectif épithète lorsqu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Le meikoun, sefa tkoun bijanib l'ism, l'men'out, ana, n'goulou liha épithète. Qadra tkoun qabl l'ism ou ba'd l'ism, mithal. Exemple, j'ai lu un beau livre, qara'tu kitab jamil. C'est l'histoire d'une réelle. C'est l'histoire réelle d'un orphelin. Il y a qissa haqiqiya li yatim. Hana, beau et réel, ce sont des adjectifs qui sont placés à côté du nom, donc ils sont épithètes. Attribut, il est précédé d'un verbe d'état. Les verbes d'état ont être, demeurer, paraître, sembler, devenir, avoir l'air. Alors, si l'adjectif est précédé de un de ces verbes, ngoulouali, il est attribut. Exemple, elle est jolie, Yajamila, elle devient grande, elle semble riche, Tebdo Rania. Les adjectifs qualificatifs, le complément de nom, c'est un nom qui complète un autre. Il est précédé d'une préposition à, de, sans, au singulier ou au pluriel ou bien pour. C'est le complément de nom. Ou kalima, tji bach twaddahna, kalima li tji min ba'dha. Alors, exemple, un stylo à plume. Quand on dit un stylo, c'est vague. Alors, pour préciser, on dit un stylo à plume. À plume, c'est le complément de nom. Un gâteau, c'est général, mais quand je dis un gâteau au chocolat, je précise, donc au chocolat, complément de nom. Et puis on a aux amandes, c'est pareil, au sang cuisson, tout ça, ce sont des compléments de nos. Bihada, nanhi, darsna l'yom, il est le café, la vidéo l'jaya, inshallah, dum tum fi ra'it lahi wa hifdih, ma tinsaouch l'ishtirak fi l'qanat, wa da'mna li talaqi al-mazid, wa shukran.